مرحبا يسون، مرحبا يسون. سي الفرح تنصيع. On vous avait promis la fête. Eh ben on va la faire comme il faut même. Et on en a vraiment besoin. Et je sais que tous les artistes vous disent la même chose, c'est-à-dire que vous nous avez manqué. Et c'est la vérité. Donc merci à tous d'être là et bienvenue à tous dans la paix et dans la joie. Et maintenant on va partir un petit peu en voyage. Du côté de la Kabylie, là où les femmes font le petit lait. Et fermez les yeux, laissez-vous emporter.
dans le tissu des lignes la chose ineffable, ni chanter la rime comme un orfèvre, ni profonde rhétorique. Ce soir, Dieu soit loué, je suis au-dessus de tout cela. Ce soir, je suis un chanteur des rues. Ma voix est nue, sans artifice. Une voix qui chante pour toi. Sur un petit terrain là, un peu nostalgique, un petit peu, vous avez compris un peu, hein, quand on est un peu au bord d'une rivière, qu'on regarde un petit peu au loin, qu'on voit les montagnes, qu'on revoit le pays de son enfance, moi je revois ma grand-mère, et puis chacun, il voit la personne qu'il aime, voici Imzien. Erkeliyemi cheni fel fel guliyumen hemel Erkeliyefiri puesif etasri gharinu
c'était chanté en berbère marocain. Ben, vive-vous tous, hein. Mais vous savez que c'est pas interdit de se lever et de danser, hein. Franchement, ça me ferait plaisir. Ben, ça tombe bien, parce que d'ailleurs Mazir maintenant, donc c'est pour vous. Yeah.
لن نقبل الزيارة تصنخاطي. J'ai demandé s'il y avait beaucoup de Kabyles ici. Parce que là, maintenant, là, tout de suite, j'ai envie de vous dire un poème. J'ai envie de le dédier aux femmes particulièrement. Vous me connaissez. Et je vais le dire une fois en Kabyle et une fois en français. Et ça s'appelle « Je suis celle » qui porte le nom de femme. قارن ثمتوث إذنك إذا رفقو ميسا إذنك إذا طيجن الشتوى إذنك إذا صار في الحرمان قد سمال إدو خسار إذنك إذا فركن تسنى إذنك إذا يلي سمتي لقزا إذنك إذا بسيم الفطام إذنك إذا شفاحا جرجر سخرت نزهار اذنك تقسيم تنفو يسيم الصحراء تتزوخو اذنك تشبح وهاجار اي مركوب انت خمير يقارن تفراليث احسو اذنك تتزايريث اذين يدلو لذل الليل تغراتي نذولوي Je suis celle qui porte le nom de femme. Je suis l'astre du berger. Je suis le soleil de l'hiver. Je suis l'essence même de la dignité. C'est du soleil que j'ai pris racine. Je suis la fille issue de l'honneur. Je suis le sceau en argent. Je suis la beauté du Djurdjura. Je suis le bâton de la chance. Je suis celle qui ne transige pas. Je suis celle pour qui le repos n'existe pas. Grâce à moi, nous sommes fiers. Je suis la beauté du hogar. Vous qui me regardez comme une étrangère, sachez que je porte le nom de femme et que c'est de moi que vous êtes née. Sachez que je porte le nom de femme et que c'est de moi que vous êtes née. Merci. Merci. Piratine de la ville. On le mérite bien, n'est-ce pas? Eh ben, maintenant,
vous faire une belle surprise. Ah, moi j'aime les surprises. Où il est notre ami? Ah, je vais appeler quelqu'un. Ah, mais il faut que je vous raconte d'abord l'histoire. C'est quand même une belle histoire. Dans les années 80, bah même si ça ne nous rajeunit pas, c'est pas grave. Dans les années 80, j'avais écrit une de mes premières chansons qui s'appelle Nora. Alors Nora, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire vraie d'une jeune fille qui habite à Roubaix et qui a fait une fugue. Ça arrive quand on a 16 ans. Seulement, 2 jours après, elle a été retrouvée par ses frères et il a été fait un conseil de famille et le lendemain, Nora a été jetée dans le canal. Vous ne vous souvenez pas de cette histoire, mais c'est passé même à la télévision. Et on a demandé aux parents pourquoi. Et ils ont dit, nous on a sauvé notre honneur. Et si c'était à refaire, on le referait. Donc, tout ça, prenez-le comme vous voulez. Mais il y a quand même une injustice, il y a quand même une intolérance. Et j'ai raison de chanter Nora. Alors pourquoi je vais inviter cette personne? Parce que, il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a 2 mois comme ça, j'étais partie dans un événement culturel et un jeune homme est venu me chanter à l'oreille Nora. Un jeune homme qui est venu me chanter à l'oreille la chanson de Nora. Moi, je ne la chantais plus depuis longtemps parce que je me suis dit, ça a évolué maintenant, etc. Mais le fait qu'un jeune homme chante Nora, un hommage à cette jeune fille qui a été assassinée, j'ai trouvé ça tellement beau que je lui ai demandé de venir. Et ce soir, c'est lui qui va vous la chanter. Je vous demande d'applaudir très fort, Med Chaabi. C'est quelqu'un que vous allez entendre très souvent. Merci, merci. Il est beau, il est jeune, il est intelligent. Et il chante très très bien. Bonsoir Sarcelle. Je vole, tu m'exaltes.
C'est lui qui est magnifique. Est-ce que tu voudrais bien... dis-nous deux mots sur cette chanson, Nora. Pourquoi tu as choisi de chanter cette chanson-là? Pourquoi j'ai choisi de chanter cette chanson? Elle me parlait vraiment, parce que c'est une fille qui est victime, la pauvre. Comme toutes les filles qui sont mortes partout dans le monde, et ils ont tué parce qu'elles veulent juste être libres, voilà. Chante pour la liberté. Donc, vous avez compris que c'est aussi de l'actualité. Eh bien, voilà, pour toutes les Noras du monde, merci beaucoup, maître. Moi, ça me ferait un grand, grand plaisir si tu chantais une chanson à toi. Fais-nous plaisir, parce qu'ils sont très, très bien. Il y a une chanson magnifique. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Le rêve. Ah bon, alors là, hein, si il ne nous fait pas rêver avec ça, eh ben, quand tu veux. Ah ben, il va aller chercher sa guitare. Thank you.
Lâcher comme ça. Est-ce que tu connais Adzi Sarah? Mais bien sûr. Parce qu'il vient de dire un mot, ça m'a donné une idée. Arbezni d'Aqel. Ben, on va vous emmener là-bas. Arbezni d'Aqel. C'est une chanson de Slimane Azem, d'ailleurs. C'est notre père hein, de la chanson, sur notre père spirituel. Eh bien, malheureusement, il est décédé, mais on pense à lui. Alors, Adzi Sarah, ça veut dire la roue tourne. Bien. C'est trop fort. Oh,
remercier Maître Chahabi. Merci, je vous remercie beaucoup. À bientôt merci, la prochaine fois. Oui, j'espère. Et puis, en profiter aussi pour vous présenter les princesses qui m'accompagnent ce soir. Ici, c'est Princesse Nabila. Et Princesse Nassera. Il y a des princesses ici, mais vous les connaîtrez mieux tout à l'heure. Parce que la chanson que on va vous interpréter maintenant, elle est toute simple. C'est l'histoire d'un balayeur, s'appelle d'ailleurs le roi du balai. Alors, on m'avait demandé, toujours là et à autrefois, comme si ça faisait, mais jadis quoi. On m'avait demandé la musique d'un film, d'un téléfilm, avec Marina Vladi et Claude Melki. Qui jouait le rôle d'un travailleur émigré, plutôt balayeur, dans une gare improbable. Et donc, cette chanson, Le roi du balai, eh bien, je voudrais que vous la chantiez avec nous. Et les paroles, ça fait « Tu es Ahmed, le roi du balai, tu es l'étranger que personne connaît. » Ça va être facile, vous allez suivre toutes ces jeunes femmes, là, qui chante super bien, et ça va venir tout seul. D'accord? On est d'accord? Soyez pas timide, s'il vous plaît. Non, montrez que vous savez vous aussi chanter, parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui savent chanter. C'est inné, c'est dans notre nature. Hein? Thank you.
vous dirait d'aller dans les tribus, là, lointaines. Ce morceau, il est un peu spécial. Vous allez voir. فلما تتشود سكرس انسي سكر ماتشي السين ذبارت في ذي السيغاس ولكن ولكن عند الهوري تتساوين 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 And then a woman who's a
and a woman with a wheelchair, and then a woman with a wheelchair, and then a woman with a wheelchair. Et voici, comme on ne savait pas quelle route prendre, et bien on a pris celle-ci. Et c'est ça, le vrai chemin à prendre. C'est-à-dire chacun le sien. Mon frère noir, aux dents de perles, chante, crie tes chansons et souviens-toi. Autant j'aime les tiens, tu aimes les miens. N'aie pas peur de l'eau qui coule. N'aie pas peur de la main amie. N'aie pas peur d'aimer. Notre monde sera comme un berceau superbe. Un berceau qui bercera dans ses langes de soie bleue tous les enfants du monde, noirs, jaunes, blancs. Tous les enfants du monde, noirs, jaunes, blancs. Chanson, elle était pour eux, parce que la chanson, elle est vraiment pour les enfants. Elle s'appelle Igolden Edunidir, c'est-à-dire les enfants viendront avec moi pour chanter la liberté. Bravo à vous, les enfants.
Tout à l'heure, on a rendu un hommage à un grand homme, Slimane Azem. Mais Slimane Azem, il faut vous dire que c'est le Brassens de la chanson kabyle. Alors, pour rendre hommage à Georges Brassens, je sais pas moi, vous connaissez tous Georges Brassens. C'est déjà pas mal, hein, parce que c'est quand même le patrimoine français, hein. On l'apprend à l'école, hein, normalement. Et les enfants, vous connaissez Georges Brassens? Toi, tu connais, toi? Un peu, tu vois, c'est bien. Eh bien, vous allez apprendre. Georges Brassens, il a chanté une chanson qui s'appelle « Pauvre Martin ». Ça dit, ouvrez bien les oreilles, on va essayer de chanter ensemble. « Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre et creuse le temps ». Alors c'est quoi cette chanson? Eh bien, c'est l'histoire d'un pauvre agriculteur, un paysan, comme il y en a partout dans le monde entier, qui part tous les matins pour creuser le champ, pour faire toutes les récoltes. Et ce pauvre Martin, il est toujours au service. Il rend toujours service à tout le monde. On lui demande de venir aider, donner un coup de main pour ci, donner un coup de main par là. Lui, il ne moufte pas. Il est toujours là. Alors, il a aidé tout le monde. Mais lui, le pauvre, personne n'a jamais aidé. Il a toujours travaillé toute sa vie, sans rien dire à personne. Et puis, quand est arrivé le soir de sa vie, en Kabyle, on dit... quand il a mangé la part de cette vie. Eh bien, il a pris, comme d'habitude, son fardeau et sa hache sur l'épaule. Et il est parti lui-même creuser sa tombe. C'est comme ça qu'on dit, pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre et creuse le temps. Et il est parti sur la pointe des pieds. Et pauvre Martin... ben c'est aussi pauvre moi. Je compte sur vous pour nous aider ici. Merci.
Alors tu nous donnes une chanson, allez, ça redevient Kabyle tout de suite, n'est-ce pas? Ben, c'est notre identité, hein? Ben, on est fait de plusieurs identités, et ça vous le savez très bien. Ben, la chanson qui va venir, elle s'appelle « Les mauvais jours sont terminés et les jeunes filles vont danser ». Alors si vous dansez pas, c'est que vraiment, ça va pas. Il vous aime, 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 il vous aime,
Eh ben, vous n'allez pas arrêter, hein, maintenant. D'accord ? Parce que celle-là aussi, elle est comme ça. Alors, je sais, c'est comme ça que je te plais, avec mes yeux noirs. Je sais, hein. Ah, c'est comme ça que je te plais, hein, avec mon foulard noir. Dans chaque mot, tu me dis, tu es le bouquet dans la prairie. Mais sais-tu que les fleurs meurent? Tu as vu le rouge de mes lèvres. Tu as vu mes joues roses et mon sourcil bien fait. Tu as aimé mon mutisme. Mais je suis une femme. Je suis la révolution. Je ne suis pas une chose à regarder. Allez, pour Tawes. Tawes, allez, viens danser. C'est la fête pour tout le monde. Thank you.
Et là, on dit que là où la beauté est absente, il n'y a rien. Et bien là, il y a tout. Anaïs Lafont. Thank you.
belle personne, s'appelle Karim, Karim Rachdi. Ben, je ne le connais pas depuis très longtemps, mais il est déjà mon frère de combat. Merci de nous montrer ce que tu sais faire. Karim Rachdi.
Normalement, on doit s'arrêter là. Jusqu'à demain matin. Eh ben, je vais vous faire une petite surprise. Parce que, vous avez vu, on a rendu pas mal d'hommages, hein, c'est normal. Hein. Les anciens, il faut quand même les honorer. Donc là, Maëlys, elle va me faire un grand plaisir. Et elle le fait spécialement pour moi. Elle va chanter une chanson que j'adore, de Edith Piaf. Et vous savez que Edith Piaf, elle était kabyle. Donc merci Maëlys de bien vouloir chanter cette chanson. Merci infiniment. Merci Tura. D'entendre, et je trouve que les paroles sont magnifiques parce que c'est nos enfants parfois qui sont sur des motos, et voilà, n'est-ce pas? Là, je voudrais faire une dédicace à nos musiciens, voilà, parce que les musiciens, et ça, je l'ai déjà dit, ils sont un écrin pour nous. Sans eux, on ne peut rien faire. Alors on va leur chanter une chanson. C'est une chanson a cappella. C'est une chanson, une polyphonie que j'ai écrite il y a plus de 30 ans. Et c'est les premières polyphonies berbères. Donc je vais vous la dédier bien sûr à vous. Et puis à cette dame qui me rappelle ma grand-mère. Merci
Merci d'être là. Ça me rappelle mon village. Et merci à tous, les enfants, évidemment. La chanson s'appelle « Ezmour », c'est-à-dire « Ma terre et ses oliviers ». Et c'est pour ça. Il y a un air de nostalgie. Et donc, pour vous aussi, messieurs, et merci infiniment. Je vais vous présenter encore quand même, Princesse Nassera, Princesse Maïlis, Princesse Manel, Princesse Camilla, avec son roi du ballet, elle a oublié son nez. Princesse Nabila,
Jourin pour vous servir. Bon, ça c'est la dernière chanson. Mais si vous voulez bien venir là, ça sera bien de montrer la photo de famille. Je suis fière de vous. Merci. Merci. Merci de porter mon message avec moi.